salut les filles, qui peut dire? Moi espérais, j'ai bien. Aujourd'hui, on est... Vendredi! Et comme à chaque vendredi, eh bien, vous avez droit à Ce soir avec Vince, votre émission qui vous veut du bien. Au sommaire de cette édition, eh bien, notre invité du jour, c'est Mister Arvin Boulel qui sera avec nous. Eh bien, on va lui demander qui n'est arrivé, qui fait l'indécide pour aller, comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il va répondre à cette question. Lydia Nunn sera avec nous sur notre plateau. Ouais, sera avec nous. Sera avec nous parce qu'elle va, en fait, eh bien, nous présenter une nouvelle rubrique. L'idée, en fait, c'est, ça s'appelle le clash. Et au fait, eh bien, ça va être vachement sympa. Vous allez voir, elle va lier des commentaires que vous nous avez laissés. Et chaque semaine, nous, on va réagir face à vos commentaires. Et c'est tout, hein? Voilà. C'est aussi le retour de... c'est aussi le retour de la fausse pub dans quelques instants. Vous l'aurez, la fausse pub. C'est, en fait, aujourd'hui, on va parler de la campagne de vaccination anti-Covid-19 qui bientôt sera ouverte au grand public. Eh bien, il y a quelqu'un en particulier qui vient faire un petit testimonial. Il s'est fait vacciner. Il s'agit de notre PM. Il va nous en parler dans la fausse pub. Ouais. Et puis, enfin, nous terminerons l'émission avec une autre nouvelle rubrique dans cette émission. Il s'agit du bon deal. À chaque fois, on vous propose eh bien, un produit sympa et c'est John qui viendra tester ce produit en plateau de façon un petit peu light, un petit peu ludique. On aura aussi la minutesaffaires.com évidemment, des cadeaux à gagner pour vous. Tout ça, c'est dans Ce soir avec Vince, de Ce soir avec Vince. Voilà. Générique! Dans une semaine, vous autres, on va célébrer la fête de l'indépendance. Eh oui, on va avoir 53 ans d'indépendance. 53, j'ai bien dit là, hein? Ouais, 53 ans d'indépendance. Bon, alors, pas trop cause de l'indépendance, parce qu'on sera là vendredi prochain pour un Ce soir avec Vince spécial Independence Day. Mais je voulais aujourd'hui vous partager mon feeling, comme au début de chaque émission. Vous connaissez... À l'approche de l'indépendance, nous pouvons trouver de plus en plus de quadricolores et flotter dans le pays. Et c'est joli, c'est notre drapeau national. Mais à l'approche de cette fête-là, est-ce que nous, partibisains, sentons-nous un petit peu plus unis que divisés? Hein? Est-ce que franchement, nous participons là, dans place, nous pouvons diviser, nous participons, pensent... pour l'unité du pays. Ouais. Mon plein. Je vous dis vraiment, non, c'est un sentiment réel. Mon plein, parce qu'il y a chaque fois mauvais journal, tous les jours mauvais journal. Capable mauvais, ni l'homme laptop, parce que c'est éco-friendly. Mais à chaque fois, nous pouvons trouver une division. Partout, parce qu'à l'opposition, même une divisée, à ce dit, vous êtes un peu bout d'un côté. C'est vrai, un peu bout de l'autre côté, l'autre peu bout d'ici, vous voulez bouder partout. Ah, moi, je fais le souhait, et peut-être qu'on en parlera avec notre invité de la semaine prochaine, d'un pays un petit peu plus uni quand nous sommes l'armée dans l'armée le jour de l'indépendance, mais aussi après. Voilà. Ouais. On passe tout de suite à la fausse pub. Aujourd'hui, on va parler eh bien, de cette campagne de vaccination. Enfin, eh bien oui, le grand public va pouvoir commencer à se faire vacciner. Eh bien, voici le message officiel du Premier ministre à l'occasion de la campagne de vaccination. Mauriciens, Mauriciennes, bonsoir. Aujourd'hui, nous lançons une campagne vaccination anti-Covid. Et, laisse-moi dire ça, moi fin gain mon premier dose vaccin anti-Covid. Nous fin prend ban vaccin depuis l'aine et nous fin prend ban vaccin depuis la cime. Moi, mon fin choisir, c'est-à-dire vaccin sinon. Et moi encourage toute la population commence vacciner.
parce qu'il n'a aucun effet secondaire qui est capable de destiner dans votre écho. Alors, oui, il y a 26 ou, il y a un petit peu de chargé, il y a un certain lien, dans moi, il s'en déroche, sans moi, il s'en déroche demain. Sais, c'est ni. Et voici à présent, eh bien, Lydia Nunn. Salut, salut Vionce. Salut Lydia. Alors, comment dire, tout le temps, je me suis dit, je me plains. Et puis, oui. Pour réaliser qu'en fait, comme je dis, je me plains. Je me dis, et puis, comprendre la négativité. Oui, il ne faut bon. Pas m'enjoler, même si tu te plains, c'est ça. Yes. Oh, j'aime mon zoli. Alors là, ce qui m'imagine, c'est que, moi, je dis, tout le temps, je vous guette nous. Tout le temps, je te fais commenter, je te fais share, je te fais like, je te fais subscribe, c'est mon subscribe, je te fais share, je te fais like. Mais, on check un peu, qui je te fais dire, qu'est-ce qu'on raconte comme ça? Ah. Alors là, je trouve. J'aime bien ça, moi. Asalia Blue, vous savez, je bien prononcer son nom. Oui. L'India, c'est top bonhomme, MDA. Et bon, Marie, quand même tout ça, parce que, en fait, Aruna qui parle comme ça, en fait. Ah oui, elle dit bonhomme, c'est top, etc. Ouais. Comment elle s'appelle? Nice. Asalia Blue. Asalia Blue. Ben, gros bisous à Asalia Blue. Hello. Et aussi, Ena Akil Ombika. Oui. Qui nous dit, enfin, il a laissé un joli petit commentaire, il nous dit, arrête de faire bouffon. C'est noté, là. c'est mal. Ensuite, tu as, KS. Goudjal qui nous dit, Louis speak at the show till now. Moi, j'ai dit, Louis speak at the show till now. C'était la semaine dernière, ça. Hein? Louis speak at the show till now, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça veut dire. Ça fait là pas trop, comment dire. C'est pas bon, là. C'est pas bon. Tu vois, mais moi, oui. Moi je dis la patience guérit la gale. Parce que quand on guette après, ça fait l'aide monter. T'es pécoré. Je dis, oui. Un petit patience. Au début, oui. Quand ça fait commencer, c'est normal. Tu vas aller écrire, elle est. Deux minutes après qu'il nous publie. Peut-être. Il y a 150 vues. Aïe, c'est ça, les deux là, il faut TV, dans mon biz. Oh, avec ça. Ouais. La patience guérit la gale. La patience. Okay. Puis allez, tu verras. Et voilà. D'accord. Et là, en fait, et dans N. King Janu, King Tjess. Comment ça s'appelle? King Tjess. Mais Jess. King Tjess. King Tjess, Yit YT, me pensez YouTube. Oui. India. Est-ce que Zis Motusel qui t'y pégait un peu attention à Runa grâce à ta cela? Tu mets attention cela, mais t'as cherché ta cela et dit grâce. Non, mon garçon, ou mon petit fils, c'est pas garçon, tu fais, mais nous aussi, tu pépé. Nous aussi, aïe, 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 attention, il est tombé. Eh, pépé. Et attention, c'est tous les flancoins de coups de tasse dans mon figure et qui nous mais mort. En tout cas, gros bisous à tout le monde qui nous écrit. Il y a beaucoup de commentaires positifs qui me disent qu'ils nous faisaient continuer, etc. C'est très gentil à vous. Et continuez quand même parce que tous les semaines, je peux aller checker un coup qui se te peut dire. Et c'est la bonne affaire qui se te peut dire. Je peux venir dire qui se te peut dire. Et voilà. Bravo. C'est sympa. J'aime bien cette petite rubrique. Je quoi? Subscribe. Lydia Nunn. Lydia Nunn qu'on va retrouver la semaine prochaine, encore une fois, pour un petit condensé de vos commentaires, histoire eh bien de causer un petit peu avec vous aussi, parce que c'est vrai que ça nous fait une petite interaction. Allez, ne bougez pas, parce que dans quelques instants, mesdames, messieurs, Arvin Boulel sera avec nous sur ce plateau. Restez avec nous, on arrive tout de suite. C'est impressionnant quand même le public, non? Ce sont des applaudissements avec une grande chaleur. Arvin Boulel est avec nous! C'est la première interview depuis qu'il a démissionné en tant que leader de l'opposition. Et pour ça, merci d'être sur le plateau! Avant toute chose, Dr. Arvin Boulel, comment ça va? Je me porte très bien. Bon, puis senti qu'on a un poids qui sapait des pieds aux épaules. Absolument, pas absolument.
parce que le travail continue. Hein? Et en termes de substance, de matière, ça ne diminue jamais. Oui, hein? Oui. Bon, psychologiquement peut-être, mais quand même, on est très bien meublé. Il y a tellement de choses à faire. Et beaucoup d'immunes m'ont pensé, puis posent la question, et me posent la question évidemment. Ce qui est arrivé il y a quelques jours, nous a dit, au fin de démissionner en tant que leader de l'opposition, alors que toute l'opposition est plutôt d'accord qu'il reste leader de l'opposition. Pourquoi cette démission, Arvin Boulel? C'est une démission qui est cadrée dans ce qu'on appelle les valeurs politiques. Parce que pendant trop longtemps, il y a une perception, on ne va pas dire loin de la réalité, que c'est tout ce qu'on appelle les dinosaures, petit, de l'âge triassique, que comme si we are spent force. Hein? Donc, moi, ce qui, bien sûr, basé sur la façon dont les événements ont déroulé, on va tenir le choix que de prendre la décision de soumettre ma démission. Parce que un leader de l'opposition, c'est un poste constitutionnel sous la Constitution section 73. Et quand il chiffre moi, il fait moi un peu chagrin. Il ne faut pas s'attendre qu'il m'a un collègue pour amener le poste de leader de l'opposition dans l'arène politique-politicale. OK. Hein? C'est ça le drame. Mm-hmm. Alors, et puis comme si le leader de l'opposition en suit assis. OK. Et donc, et puis quand mon ami Paul Béranger, il me dit moi, pour le moment. OK. Et Xavier Luc dit moi, nous laisse la situation évoluer. Et donc, je t'ai éveillé mon comportement. Donc. Où tu t'es senti l'ON siège éjectable un peu d'une certaine loin façon? Loin de là, m'a très boulonné, moi. OK. C'est moi qui déboulonne la siège et finalement, on prend la décision. Et surtout, qui m'a parti apprécier, je peux éjecter mon camarade Shakil Mohamed. OK. Après tout, nous sommes les membres de l'opposition. OK. Il y a des choses qui sont dites à l'intérieur, OK, et non pas en dehors du périmètre. Hein? Donc, quand même, un peu de retenue de la part de toute personne, ça, tu peux éviter beaucoup de décisions qu'elle ne prise. Donc, c'est pas solidarité, en fin de compte, qui est une décision. La solidarité de manifester, quand on m'a démissionné, ben là, il pas plaire, retourner, etc. Ça, en fait, tu peux un grand sourire. Mais c'est bon. Mais mes amis, comme on dit, avec l'homme chaud, ils disent, retourne, revine. Mais non. Une fois une décision a été prise, mon besoin, thick and thin, parce que c'était une bonne décision. Et mon fali, dans ce qu'on appelle le respect des institutions, oui, hein, et les valeurs qui m'ont connu la classe politique aussi prônée, il ne fallait pas aussi, parce qu'il y a un sentiment que tous les politiciens sont les mêmes. Ce n'est pas vrai. Il y a une perception, une rumeur qui dit que c'est une pression qui ont gagné deux ou partis, plus précisément leader du parti qui dit que ça nous vous a quitté. Loin de là. Moi, la décision, c'est ma décision. Mais okay, seulement, nous faisons consultation avec mes amis parlementaires, hein, du groupe Passe Travailliste. Et quand j'avais pris la décision, OK, volontiers comme tout, et de bonne mine, et hiérarchie, ça pose qui, au besoin, informe le leader du Parti Travailliste. Bopan exécute aucune décision que l'on dit. D'ailleurs, quand mon cousin lit, mon dialogue, on prend la décision pour le soumettre, mon fille, make up my mind, comment le dire, pour soumettre ma démission. Ça va, au contraire, c'est précisément qu'il faut la question qui avait été prise aux instances du Parti Travailliste. Non, la décision a été prise. 2 heures, je tiens une rencontre avec mes amis du Parlement. Ouais. Et puis ça, 3 heures. Fini. Réduit. Rencontre avec le président de la République. J'ai soumis ma lettre de démission. Docteur Arvin Boulel, on a une question bien simple pour poser. Mais bonne question, toujours simple, mais avec. Avec un petit piquant derrière. Un petit piquant, un petit bout. Dans 5 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de trouver? Dans 5 ans?
Avec toujours, avec le commun de mortel, parce que ma vie politique finit toujours avec les communs de mortel, mm-hmm. qui m'en aident beaucoup de respect, mais aussi, comme toute personne, par exemple, au Vince, hein, ou content, take the rung de social and economic ladder. Yeah. Dans mon cas, bien sûr, moi, c'est content, c'est tout à fait légitime. Oui. Dans, surtout dans une période de transition, bien sûr, servir le pays mieux. Mieux. Hein, OK. Et bien sûr, c'est le vœu de tout un chacun d'être un jour Premier ministre hein, de okay. son pays. OK. C'est votre vœu d'être Premier ministre un mais jour. Justement, je le dis parce que bon, ça, il y a une certaine légitimité. OK. Hein, et nous voulons nous parler d'un pays qui est le reflet du monde, mm-hmm. hein, le bercail, bon, enfin, il est vrai, nous ne pouvons pas souvent un moment difficile, oui. qui est le bercail de la démocratie. Et c'est qui, bon, c'est qui nous l'est. Que la méritocratie primée d'un pays. Hein? Et dernière question de notre interview, et après on va passer au jeu. C'est qui, Mouina? Forcément, vous faites dire moi qui. Mouina, quand même, une petite aspiration. Une grande aspiration. Une grande aspiration. Une petite aspiration. Une grande aspiration pour un jour arriver eh bien, au plus haut de l'État. Bon, we're all getting on, comme on dit. Oui. Hein? Quoique, moi, me bonifie en large, un peu comme... comme le bon vin. Comme le bon vin, un peu comme Johnny Walker. Walker, ça va, without the cane. Je peux l'avoir dit là-haut. Aussi, mais aussi brisque. OK. Mais seulement, ou bien admettre qu'il y a un petit souci pour qu'il réussisse à arriver au poste de Premier ministre. C'est qu'il y a un petit monde qui appelle Navin Ramgoulam quand même. Non, Navin Ramgoulam n'est pas un obstacle. Non, moi, mais il n'est pas payé envie à lui-même. Non, on a, quand même, il y a les instances. Oui. Et il y a une partie, OK? Moi, mon compte, tout doit se faire dans le respect. Et personne n'est pas immortel, bien sûr, hein? Bien sûr. OK? Mais, bien sûr, nous place l'intérêt du peuple du pays, l'intérêt du parti avant toute autre considération. Mais est-ce qu'un jour, vous pensez que le parti, parce que généralement, comme on nous trouve, par exemple, en Angleterre, parfois, il y a un leadership spiel, quand le parti décide pour renouveler l'île, renouveler ce leadership, est-ce qu'à un moment donné, le parti travaille? Et nous finissons ni de certaines voix du Parti travailliste hein, qui nous disent qu'il est peut-être temps de changer de leader. Bon, moi, vous allez dire, le seul parti qui finit la pérennité, hein, okay. hein, c'est le Parti travailliste. Si on commence dans une de seule histoire, depuis Curé, nous venons même. Hein, oui, oui. Contrairement, sans blesse le MMM, que Paul Béranger finit là pendant des années et des années. Et au MSM, au plus cause des partis traditionnels, c'est la dynastie bien. Bien installé. Bien installé. Alors, donc, sur ce sujet, comment nous dire, il faut donner du temps au temps, mm-hmm. mais seulement, il faut que, aussi que we don't wait for too long. Hein? Bien sûr. Le changement, c'est inévitable. La seule chose qui reste intacte, comme on disait, en place, c'est le changement. Bien sûr. Et donc, nous devons vivre avec le changement, adapt, otherwise we'll perish. Absolument. OK, donc, absolument. Moi, tu connais, moi, tu disais dernière question. Encore une dernière petite question. Et là, le gouvernement a enfin annoncé qu'il, dès bientôt, là, le leader de l'opposition pour gagner ce vaccin, il ouais. finira de ça par un... Chibout. Par un 10 jours, on rate ça. Ouais. Même pour rattraper. OK, OK. On rate, on ouais, rate ça, là. Ça 10 ouais, jours, là. Oui, au contraire. Ouais, terrible. Ouais. C'est donc Xavier... Mais c'est bien, bien encourage. Tout du monde à faire ce vaccin. C'est très important et d'ailleurs, je peux ouvrir l'île pour faire une campagne de vaccination, donc il est temps de le faire. Xavier Luc Duval peut prendre ou poste de. Peut prendre ou poste, parce que c'était un poste qui existait avant aussi. Ouais, mais, bien sûr, il était d'ailleurs leader de l'opposition. Il était leader de l'opposition auparavant aussi. Ouais. Vous pensez qu'il peut faire un bon travail? Oui, Xavier Luc, on félicite lui. Et c'est qui bon, Xavier Luc, il n'appelle pas avant d'y accepter l'offre qu'il fait à lui. Et c'est bien, nous disons, nous sommes les membres de l'opposition après tout. Hein. C'est la concertation, consultation, nous conjuguons nos efforts et nous travaillons. Donc, notre relation reste cordiale. La relation cordiale, c'est la vie des politiciens. Hein. Parce qu'un jour en politique, c'est it's a long time in politics. Hein. Oui, un message peut-être, et puis on va passer au jeu premier, promis, on va passer au jeu après. Un message qui vous a passé, parce qu'aujourd'hui, il est clair et net qu'il y a un Nadimoun qui n'a pas découragé quand il trouve là. Un peu la division au sein de l'opposition. Ouais, ça, c'est vrai. Il y a une division au sein de l'opposition. Vince, demande au grand public, pas se décourager. OK? Quand même, nous avons une cause commune.
et nous faisons constituer ça la force commune, et nous faisons place le pays avant toute autre considération. D'accord. Parce que le pays, hein, le pays appartient à tout le monde. Hein. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Envie de vous aller avec nous. Restez. Restez connectés parce que dans quelques instants, on va jouer à un jeu avec vous, Alvin Boulel. C'est un jeu qui justement demande de la voix. Allez. Ok. Aujourd'hui, dans la minute affaires.com, eh bien, AccuWares vous offre 3 handbag organizers. Pour gagner, il suffit d'aller sur le site affaires.com et aller chercher les petites images avec les petits cadeaux là avec écrit Pop TV dessus. Cliquez dessus et peut-être que 3 d'entre vous pourront repartir avec des handbag organizers. Bonne chance à vous! Ok, on est avec Dr. Alvin Boulel. Former leader of opposition. On va jouer à un jeu qui s'appelle Mashmug. Ok, c'est un mouthful en anglais. L'idée, il y a un petit mot là. Ok, il faudra parler et expliquer. Alors, c'est un par personne. Et me faire deviner. Attends, on a un timer, tu vois là. Et il va falloir me faire deviner le mot que vous dites. Et après, vice versa, chacun se tourne. D'accord? Pareil, donc on va y aller, c'est parti. Il. 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 Ra. Il va. Est-ce que. Ouais, moi, je ne veux pas bien mettre lié à celle-là, oui, ok. Il va tomber, il. D'il. Ra. Est-ce que de rendre à 100. Il y a beaucoup d'hommes à garçons. Je sais pas. C'est Bill boit beaucoup de bonnes boissons. Ok, allez, mon tour. Allez. Attention. Rien à laisser. Voilà. Non. Montant la montagne du Morne. La montagne du Morne. Oui, alors, avant ça, dis ça avant. Monter la Morne. Oui. Montant la montagne du Morne. Monter la montagne du monde, monter la montagne du monde. Non. Grand-père? Non. C'est quoi? C'était ma maman montant la montagne du monde. Et ça, bien beaucoup de choses. Voilà, ça va nous pas pour décider ou la bouche. Attention, c'est à vous. Ah, ok. Ah, ça va, rien. Ok. Ha. Eh? Parce qu'il est dans la colline. Ah, d'accord. Ma mère, parce qu'il est dans la colline. Ma. Non, la. Ha. Ha. Pa. Pas faire. C'est qui? Ah. C'était pas père parce qu'il peinait un problème. Et c'est dur, la première fois d'utiliser ça, c'était pas aussi difficile, mais aujourd'hui c'est assez difficile quand même. Allez. Attention. Ok, j'essaie de dire et c'est impossible.
Nye. Pardon, c'était donc mais pas papa. Tout seul. Comment nous pouvons faire maintenant faire comme ça? Tu es un peu ninja. C'est impossible, hein. Impossible. 0-0 pour la première fois dans l'histoire de ce soir avec Vince, qui nous peina, un gagnant. Ouais. En tout cas, bravo à Robin Boulet. Merci de vous être prêté au jeu, Orvin Boulel. Merci bien. Restez avec nous parce qu'il jump. Heureusement qu'on va une fausse dent avant de tomber. Hein. Ou pas si t'as un dinosaure que ça, alors. Presque. Dans quelques instants, c'est John qui va venir sur le plateau. Il présente un produit parce que c'est une nouvelle séquence dans nous l'émission qui s'appelle Le Bon Deal. Qui deal, Yéna, vous présente nous à Zodi, là, nous plateau. On arrive dans quelques instants. Restez avec nous. Le bon deal de la semaine vous est présenté par Simfinance. C'est la première chronique de Mr. John qui vient nous présenter un bon deal. Bonsoir Vincent. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Dr. Arvin Boulet. Voilà. Alors moi dans cette rubrique je vais vous présenter des petits bidules, des services, des trucs que j'ai trouvés par là. Ouais. Et aujourd'hui j'ai découvert un truc. Qui va vous intéresser tous les deux. Ouais. C'est sur le site de Patel Optics. Ok. Toi tu portes des verres porte et docteur, je sais que vous portez beaucoup de sunglasses. Oui oui. Et en fait, je vous dis que sur le site de Patel Optics, vous pouvez essayer vos montures de chez vous. Ah et puis tu sais ça sur le. Tu vois Snapchat? Oui. Ça, mais au niveau lunettes. D'accord. Okay. Là, ils mettent lunettes là, alors nous figuier. Donc je vais faire une petite démonstration là. Oui. Ok. Donc vas-y. Je suis sur le site. Voilà. Je choisis une lunette. Choisis même une paire. Pardonnez mon français. C'est ok. Donc voilà, là j'ai eu un frame. Très bien. Alors, je peux télécharger la photo. Allez, montre-nous. Et. Okay. Ah oui, quand même. Donc ah. ça te rajoute les trucs. Voilà. Voilà. Ok. Attention. Merci, John. On te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séquence. Financez votre achat avec Simfinance et bénéficiez de nos facilités de crédit allant jusqu'à 48 mois. La vie avance avec Simfinance. Mr. Orvin Boulel, merci d'avoir été avec nous. Franchement, j'ai été très content, très honoré de vous avoir sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce que vous avez souhaité. Donc, on vous souhaite beaucoup de succès. Alors. Merci. Et ben voilà, c'est ce que... Absolument. Par contre, alors je vous redemande, j'ai oublié de mettre votre micro, pardon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous avez dit? Ce que vous allez souhaiter à tous les Mauriciens et les Mauriciennes. Donc beaucoup de succès. Merci bien. Et une belle île Maurice. Allez, ben voilà. Et c'est sur cette belle note patriotique que nous allons nous quitter. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Ce Soir avec Vince. D'ici là, vous le savez, restez fous parce que c'est comme ça qu'on vous aime. OK? Dans sa vidéo là, bien drap ventrier AB. Subscribe à Pop TV Maurice, www.youtube.com/PopTV Maurice. Moi, c'est plus spécial, moi.